Hello, c'est Dit Guitare pour un tutoriel sur Stylus CRMX, alors tutoriel plutôt destiné aux débutants. C'est parti, donc nous allons utiliser comme séquenceur Ableton Live 6. Voilà, donc j'ouvre Stylus, comme ceci. Je vais dans la bibliothèque choisir un Groove RMX. Voilà, et le premier va être le 52 Alice Dream Illusion 1. Donc on peut l'écouter. Voilà, alors pour le glisser-déposer sur le séquenceur, c'est très simple. Vous allez ici dans la fenêtre bleue, clic gauche, on glisse le clip ici et on va faire commencer le clip sur la mesure 2. Il va durer 2 mesures. Alors on va renommer le clip tout de suite pour pas se perdre dans le morceau en intro. Comme ceci. Voilà, donc pour le couplet 1 qui va durer 8 mesures, on va aller sur la piste 2 ici sur Stylus RMX. Et on va choisir le sample 54 Eclipse avec combo. Donc on peut l'écouter. Voilà, donc pareil, on va le glisser-déposer sur la piste 2 qui n'est pas créée mais qui va se créer automatiquement, comme ceci. Notre clip fait 2 mesures. 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Clic droit, renommer. Couplet 1. Comme ceci. Alors, si j'écoute mon clip du couplet 1, je n'ai aucun son. Pourquoi? Parce que sur ma piste 2, je n'ai pas activé le routing correctement. Donc, on va aller dans l'écran session, comme ceci. Voilà. Et ici, au MIDI tout, routing, on va router vers donc la piste 1 MIDI qui a le Stylus RMX et on va aller sur la piste 2. Voilà, on revient sur l'écran arrangement et là maintenant on a du son. On va continuer, on va revenir sur Stylus, on va aller sur la piste 3 et on va aller prendre le sample 54 Eclipse. Drum amb. Voilà, on écoute. Voilà. Donc ça va nous servir pour notre refrain. On clique, dépose le clip ici. La piste 3 MIDI se crée automatiquement. On a 2 mesures. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mesures pour le refrain. On va renommer le clip tout de suite. Comme ceci. Voilà. On va pas oublier surtout de router la piste, sinon on n'entendra rien, pas de son. Donc sur la piste 1 et on est sur le Stylus, troisième piste. Voilà, on peut écouter. On continue. Pardon, on revient sur la piste 1 dans Stylus. On va sur la piste 4. Et on va prendre ce coup-ci le sample 63. 63 Ike Up Iceland glace guitare. Voilà. Voilà. Donc on va glisser, déposer le clip. Comme ceci. Voilà, ça crée automatiquement une piste MIDI. On va le faire durer 8 mesures sur le couplet 1. On renomme. Couplet 1. Oups. Comme ceci. On va router la quatrième piste Ableton sur la piste 1 qui contient Stylus. Et on est sur la quatrième piste de Stylus. Et là. On continue. Donc dans Stylus, piste 5, le son va être 72 liquid frame. Combo, on l'écoute. Voilà. Et on va le glisser-déposer sur notre refrain. Cinquième piste, on prolonge le clip
de 8 mesures. On va dans le routing. Piste 1, track numéro 5. On écoute. On continue. Piste 6. Donc là, on va prendre le psaume 90. Hippie Diaper. On l'écoute. Voilà. Et on va le glisser-déposer pour le couplet 2. Ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 mesures. On va prolonger 5, 6, 7, 8. On renomme. Couplet 2. On n'oublie pas de faire le routing. Sinon, on n'aura pas de son. Hein. Voilà. Donc, on va router la piste sur stylus. Et sur la bonne piste de stylus, la 6. Et là, maintenant, on a du son. On continue. Piste 7. Sample 90 Madrid. Hi-hat metal. Voilà, ça va nous faire une piste sur le refrain 2. Donc après le couplet 2, comme ceci, on le prolonge pour le faire durer 8 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On renomme. Refrain 2. Voilà, on va router la piste. À ne pas oublier, sinon on n'aura pas de son. Voilà. Et dernière piste de stylus, piste 8. Donc sans funk au niveau du sample. Voilà, funk flip. Et donc fuse. Voilà pour la fin de notre morceau. Oups. Comme ceci. Voilà, et la fin qui durera 4 mesures. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour finaliser, on va copier nos clips ici. Donc, par exemple, couplet 1, CTRL, clic gauche, on déplace le clip ici. Pareil ici. Voilà. On peut les renommer pour que ce soit plus clair. Couplet 2. Couplet 2. Voilà. Refrain de la même façon. On amène le clip. Oups. Ici. Ah. Voilà. Et celui-là. Ici. Voilà. Ici, j'avais pas renommé. Refrain. On renomme, hop là, renommé, refrain, refrain 2, refrain, c'est pareil, et puis la fin du morceau, on est prêt pour l'écouter, c'est parti.
Hop, j'ai oublié de router la dernière piste. Vous voyez, là, piste 6. Donc, on va réécouter la fin de notre morceau. Pardon. Voilà, c'était un tutoriel sur Stylus RMX. Et ben, à bientôt pour d'autres tutos vidéo. Bye bye!